Là, ça va aller mieux. Ah, le micro était branché. C'est comme ça. Il y a des jours, euh, c'est 100 et des fois, c'est 100. Et avec 100, avec double ration de 100. <laughs> Donc pour info, il... vous n'avez pas assisté à tout ce qui s'est passé là, pendant ces premières secondes. Mais non, t'as rien raté, puisque pas le... il n'y avait pas d'audio. Donc en 1... Je Change de machine pour faire les lives et il faut que je réactive l'alimentation à 48 volts sur ma carte son pour le micro, donc ça j'avais oublié. Enfin, normalement, on entend très peu, mais on entend un peu. Là, Il n'y avait carrément pas de son parce que de toute façon, euh, l'appli que j'utilise euh, Audio Hijack pour euh, filtrer un peu d'ailleurs, euh, j'ai pas filtré le bruit ambiant exactement, donc on verra ce que ça donne. Mais j'avais aussi oublié de le couper, donc il y avait. Euh, absolument zéro son qui sortait d'une entrée euh, d'une entrée virtuelle. Super. Mais c'est un lundi euh, qui me va bien, ça correspond bien. Donc j'espère que vous vous avez mieux démarré la semaine. Il hein. n'y a pas de raison. À part ceux qui ont commencé avec une coupure de pub, je m'en excuse encore, mais j'ai vraiment hein, je l'ai remontré l'autre jour à des gens qui connaissaient un peu Twitch et euh, c'est comme ça. Je suis au minimum de ce qu'on peut mettre et euh, j'ai pas la maîtrise de plus. Donc à moins de disparaître dans les limbes d'une plateforme encore plus inconnue et monter mon instance Peertube qui sera regardée par encore moins de monde, j'ai pas bien de solution. On verra, qui sait. Euh, donc voilà, j'espère que votre lundi a mieux démarré que le mien. Enfin en tout cas, euh, moi hier c'était euh, découverte d'une fuite dans une douche au deuxième étage euh, qui goûtait allègrement euh, dans les toilettes qui étaient juste en dessous. Donc... Euh... Est-ce que tu es de Lyon Il n'y a pas un truc logiciel libre à Lons ce week-end. Euh, c'était le week-end qui vient de se passer. C'était ce week-end, il y avait les JDLL, ouais, les journées du logiciel libre. Euh, et voilà, moi j'avais plein de trucs avec, euh, avec la famille. Donc c'était pas possible, mais oui, c'était ce week-end, tout à fait. Bon, si vous commencez à me rajouter des sujets alors que j'ai essayé de préparer une émission qui n'était pas préparée, je ne vais pas m'en sortir. <laughs> Bon, si vous voulez en tout cas du contenu euh, euh, peut-être plus, euh, plus contrôlé, venez faire un petit tour euh, sur notre Discord. Il y, a, il y a des gens qui sont mieux réveillés que moi aujourd'hui, donc euh, vous pouvez venir papoter tranquillou. Et puis on va commencer tout de suite. Euh... Quand je dis que c'est pas préparé, c'est presque vrai. J'ai quand même pris le temps de récupérer mes liens du moment. Et puis bah, on va pas changer un grand classique. Hein. Euh, je vous invite à... à aller voir la dernière vidéo de. De Kevin, dont je vous ai déjà parlé les deux précédentes émissions. Euh, cette fois-ci, c'est quelque chose de très intéressant puisqu'il a parlé de PyBrix. Alors on va aller hop sur le projet PyBrix. Euh, je ne suis pas encore sûr d'avoir pigé les méandres de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais j'ai un peu l'impression que c'est encore du Python. Quelle surprise bah ben écoute, euh, Aurélie, j'attends que tu me montres un, un projet qui permet d'avoir du Go universel, du Tiny Go universel dans toutes les briques intelligentes chez Lego, et j'en parlerai avec plaisir. Le truc là, c'est qu'ils euh, ont relancé un projet autour de Python et de, des différentes briques qui ont la capacité d'être programmables chez Lego, euh, parce qu'il n'y a pas que la gamme Mindstorm, en plus la gamme Mindstorm a vachement changé, et euh, il y a aussi euh, la gamme Spike. Qui, elle, de base, maintenant à micro-python. Mais il y a aussi dans la gamme Boost et puis une partie de la gamme technique. Aussi, j'ai découvert qu'il y avait des briques, euh, je crois qu'ils appellent les briques Power Hub. Donc, si je clique là, je crois que c'est indiqué. Voilà, il y a dans la, la gamme technique euh, Boost City. On a la, les briques de chez euh, maintenant la gamme Spike Mindstorm, l'espèce de gamme un peu à cheval. Là ça a remplacé sans vraiment remplacer Mindstorm qui existe toujours mais j'ai du mal à suivre et ils sont aussi compatibles avec les anciennes briques ev 3 Moi j'ai des EV2. Oui, c'est les Power Brick mais c est, c est, je sais pas le non la Power Power ils appellent ça. Et à chaque fois, c'est un ils appellent ça, ils ils, ont une, ils abstraient une notion de programma, programmable hub. Exactement. On peut supporter les Power des euh, capteurs euh, de, de différentes euh... mais c'est un peu j'ai l'impression qu'il y a une partie ça s'appuie hein, il l'explique ça s'appuie sur micro python mais c'est en partie réimplémenté j'ai l'impression euh, parce que par exemple la brique qui m'a le plus surpris c'est les, les hubs euh, spike visiblement ils ont des performances euh, encore supérieures euh, à ce qui est fait avec MicroPython, mais genre un CoF de sang, donc euh, ils ont bien dû recoder quelque chose. Euh, Anne devrait mettre une vidéo YouTube sur le sujet dans la newsletter de demain de Adafruit, ah, je suppose, oui. Bah, euh, probablement, en sachant que Kevin euh, Kevin taffe côté un petit peu Pimoroni aussi, donc euh, ouais, ouais c'est bien qu'il y ait un peu de bruit un peu là-dessus. Euh, je vous rassure, je suis retourné voir les kits, c'est toujours des kits... Euh, euh, extrêmement coûteux euh, le kit spike que j'ai regardé ou le kit Inventor là ils sont encore ils sont encore à presque 400 balles ça va quoi il y a un moment donné euh, merci Lego mais on parle de, de choses qu'on achète pour des enfants euh, si on met 400 boules dans un truc pareil tout ça pour euh, en plus un microcontrôleur qui est pas non plus un foudre de guerre c'est un petit peu abusé mais néanmoins ce projet a le mérite d'exister et euh, je trouve ça plutôt plutôt sympa et puis ça me permet de vous réinciter à vous abonner à la chaîne de, de Kevin qui fait vraiment en ce moment des vidéos coup sur coup là c'est vraiment des sujets euh, super bien traités donc c'est vraiment euh, vraiment bien fait donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer la deuxième un petit peu dans la lignée euh, de ce qu'on ce que je vous ai montré de ce qu'on a discuté l'autre fois il euh, y a euh, la société Hugging Face qui si je ne dis pas bêtise Vient d'être racheté par Amazon, peu importe. Il y a encore beaucoup de choses en open source. Et donc, je suis tombé sur ce lien qui permet d'avoir un, un tuto euh, vraiment très bien fait euh, pour euh, ben, apprendre à utiliser. Alors là, c'est des modèles dans tout ce qui est analyse de langage en fait. Et euh, vraiment, le, le, le tuto est vraiment bien fait. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je vous conseille. Euh, avec tout ce qu'on a discuté autour de ChatGPT et autres, ben il y a quand même un moment donné où il faut analyser le, les phrases que, que vous recevez. Donc c'est avec ce genre d'outils qu'on peut, qu peut bosser notamment. Donc vous y apprendrez un petit peu les comment utiliser les, les modèles qui, qui existent, comment utiliser des librairies qui permettent de tokeniser vos phrases et ce que vous pouvez en faire derrière. Et je crois qu'il y a même, si je dis pas de bêtises, à la fin. Voilà, une petite... Il vous propose de, de faire des... des petites démos interactives. Euh... Et. Hop, je sais pas si on voit le détail. Bref, il y a plein de petites démos que vous pouvez... Vous pouvez faire. Salut Olivier, mais euh, ne t'excuse pas euh, d'avoir débordé, tu rigoles. C'est parfait. Je suis passé, t'étais au taquet sur le... Les paquets d'Ebian, je trouvais ça vachement bien que quelqu'un prenne le temps de démystifier un peu cet aspect-là où tout le monde se dit toujours que c'est monstrueux. En fait, c'est quand même abordable, donc euh, c'est pas mal de, de prendre le temps de ça. Puis de toute façon, je ne savais même pas si j'allais euh, si faire une émission aujourd'hui. C'est des fois... Hein. Donc bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci pour ce petit raid, euh, Messire Olivier. Euh, ça me fait penser qu'il faut que je mette en place... Euh, un, un système qui me fasse une petite alerte audio quand il y a un, un abonnement ou un raid ou des événements comme ça, parce que j'ai parfois un petit événement visuel, mais je ne le vois pas forcément sur mon écran là sur le côté. Donc, un petit, euh, une petite notif sonore, hein. je pense que ça serait, euh, ça serait le bienvenu. Donc, euh, posez-vous, installez-vous. J'ai raté malheureusement Olivier, j'irai voir avec plaisir le replay. J'ai vu que tu vais visiblement aborder. Euh, le sujet des, des chats GPT et autres euh, mid-journées, autres IA générative. J'irai voir ce que, tu as, ce que tu as dit au sujet, ça m'intéresse, j'irai jeter une oreille de faites comme moi. Allez voir le replay d'Olivier aussi. Euh, un des autres sujets que vous avez mis de côté, c'est... Je suis tombé là-dessus, avec... Euh, il y a plusieurs articles, hein, mais celui-là je l'avais trouvé relativement complet. On a toute cette problématique de la petite checkmark, la Blue Mark sur Twitter, euh, qui visiblement euh, est devenue un truc payant qui ne correspond plus à ce qu'elle voulait dire avant. Avant, c'était normalement un profil un peu reconnu. Et là, c'est même pire que ça, parce que j'ai vu que certains se plaignaient. De toute façon, ils vont être obligés de passer à la version payante s'ils veulent la garder. Et histoire de bien semer la confusion et le trouble, quand on regarde l'aide sur la, la Blue Mark maintenant... Ils laissent le doute. Ils disent c'est soit un profil legacy bien reconnu ou quelqu'un qui a pris l'option payante. Donc en plus c'est bien crado. Et je voulais juste vous signaler qu'il y avait moyen d'avoir quelque chose qui à mon sens a largement autant de valeur que si ce n'est plus que la blue mark côté Twitter, c'est quand vous êtes sur Mastodon, il y a moyen de, de de renforcer et de rassurer les gens sur votre identité réelle. Euh, je vous laisserai parcourir le la façon de procéder, mais en gros, dans votre profil euh, sur Mastodon, sur votre instance, euh, vous avez un certain nombre de liens. Et bien sachez que sur ces liens, il y a moyen de récupérer un petit bout de code qui est plus là, voilà, qui est normalement dans votre profil. En gros, une encre qui va euh, authentifier le fait que oui, ce profil-là, c'est bien vous. Vous allez le mettre sur votre site web et ça va permettre à ce que les gens qui sont sur votre, votre site, ben, ils peuvent se dire que ce compte Mastodon, eh ben, il y a réellement la même personne que sur ce site web. Ça garantit rien de plus. C'est-à-dire que quelqu'un décide de prendre cette URL, de la mettre sur son propre site, il peut prétendre être vous en faisant un faux compte ou je ne sais quelle bêtise. Mais, mais quand même, ça veut dire qu'il faut aller plonger après dans le site web. Donc si vous avez plusieurs euh, références, j'en sais rien, euh, est-ce qu'à terme on pourra le faire avec GitHub ou autre euh, vous connaissez le contenu de la personne, euh, ça vous permet de savoir que ce contenu-là euh, a un lien avec le compte Mastodon que vous êtes en train de regarder. Ça fait quand même, à mon sens, une vérification qui est quand même pas, euh, qui est pas euh, débile du tout. Alors no voting, surtout qu'on peut tourner à la maison comme stable diffusion. Ce qu'on peut tourner à la maison. Ah oui oui, pardon. Tu parles de ce qu'A Olivier à, à, Oui euh, bah, C'est ce que j'ai montré la semaine dernière. On peut faire du stable diffusion directement dans le browser. Euh, je vous ai montré ça l'autre jour. Alors pour l'instant, ça, ça, ça rame un peu en fonction de votre configuration, parce que ça va beaucoup dépendre de, de l'implémentation de la partie WebGPU, qui est encore dans les modes canari, par exemple sur Chrome, donc c'est encore expérimental. Et bien sûr, ça dépendra de votre carte GPU physique, mais ça peut faire tourner un stable diffusion en local sur votre machine. Et on peut aussi l'installer, on peut installer tout la, tous les modèles, bien sûr. Euh, J'ai vu aussi qu'il y avait euh, des modèles, visiblement, euh, qui permettaient d'avoir euh, un peu un équivalent euh, à GPT, et, euh, a priori, je dis bien a priori parce que je ne suis pas allé vérifier, avec des licences qui seraient des licences open source. Reste à savoir comment ils sont allés choper les données, je suis assez curieux. Mais de toute façon, on en reparlera c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je voudrais voir si. Euh, si quelque chose de réellement open source peut se produire hein, du même type que, que ChatGPT sans aller piller, comme l'a gentiment fait. Euh... Bref, les gens qui sont derrière ChatGPT. Donc voilà, pour le côté mastodon, avoir un peu de, de la vérification de compte, j'ai trouvé que c'était un lien utile. Toujours dans l'apprentissage, je vous propose. Hop. Alors c'est parti de ce, ce tweet hein, que j'ai vu, vu passer, mais euh, JetBrains a rajouté euh, dans son module euh, d'apprentissage euh, un curriculum avec euh, Rust. Euh, je suis en train de chercher le nom, c'est JetBrains Academy je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est quelque chose que j'avais utilisé moi en, en voulant euh, apprendre Go, ça avait été un bon outil. En gros, c'est une succession de petits exercices avec des corrigés, et puis vous validez. Enfin voilà, ça vous permet depuis un IDE, JetBrains, de, de suivre un petit peu des, des, des cours et à en l'occurrence, ça, ça va concerner Rust. Et il euh, y a quand même beaucoup d'exercices de, de, qui ressemblent beaucoup à tout ce qui s'était fait dans Rustling. Je vous l'avais montré, je crois. Donc c'est une, une succession de de petits exercices qui vous permettent par thème euh, d'apprendre peu à peu les subtilités du langage. Euh, tac, je pense que je peux zoomer un peu. Voilà, on a ce genre de choses où vous avez... Euh... <coughs> voilà, c'est carrément Rustling. Donc c'est peut-être bien carrément implémenté dedans. C'est IntelliJ for Education, pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, c'est un module qui est intéressant dans ces idées-là, qui vous permet d'avoir... Euh... Un descriptif d'exercice, le, le, de faire un check avec des, des tests. Hein, en fait, il, il vous propose d'avoir une carcasse à programmer. Vous mettez votre, votre algorithme dans des, des fichiers du langage que vous êtes en train d'apprendre. Et il y a un jeu de test à côté qui va aller valider que vous avez bien, bien compris ce qui vous était demandé. Donc voilà, c'est un, un moyen comme un autre de d'apprendre aussi aussi Rust. Il n'y a, a pas de mauvaise façon. Donc là, voilà, il vous. Décrire, c'est ce que je vous disais, euh, le fait que ça va aller de concept en concept. Euh, on va aborder tout, tout ce qui est nécessaire pour euh, apprendre à utiliser Rust. Donc voilà, peut-être que vous entendez ronfler la mascotte qui est juste derrière, moi je l'entends bien fort là. J'ai démarré à la bourre et j'ai quasiment fini parce que j'avais vraiment, vraiment pas beaucoup euh, dormi cette nuit et puis j'avais eu une bonne matinée de boulot, intéressante mais très prenante. Donc j'avais pas énorme aujourd'hui euh, de choses à vous raconter, mais comme il y en a qui se plaignaient que je n'allais pas faire le, le live, j'ai dit je peux quand même pas laisser complètement tomber. J'espère que vous avez pu manger tranquillement en, en regardant et en écoutant les bêtises que j'avais euh, à partager. Euh, dans les derniers trucs que j'avais, je ne sais pas si j'en avais pas un dernier. Ouais, je le garderai peut-être pour une autre fois. Il y avait des, des liens sur... Euh, un projet qui a implémenté une vous savez que j'aime bien toutes les... les interfaces dans le terminal et bien oui. bon appétit Olivier le temps que tu uploades effectivement ta vidéo tu vois dans, dans la préparation j'ai même pas fait comme je fais maintenant depuis quelques émissions où je m'écris directement mon résumé avec mes liens en plus de les avoir dans le stream deck comme ça après quand je pousse la vidéo elle est relativement rapidement prête quand j'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton qui la passe en public comme la semaine dernière où il était prêt dès le lundi après-midi. Mais je l'ai mis en public seulement le vendredi, comme ça au moins. <laughs> Donc voilà, je, je crois que je n'ai pas, pas grand-chose de plus à, à creuser avec vous euh, aujourd'hui. Euh, je cherche dans les dernières choses que j'ai reçues, s'il y a des nouveautés. Non, ça, c'est trop tôt pour en parler. Non, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, ce week-end. J'ai soit fait un peu de rangement, je dis bien un peu, vous apercevez Hop. Non, ce côté, pardon. Voilà, cette magnifique plante où il y avait du bazar avant. là, J'ai rangé toute la zone. Là. Madame a insisté et elle avait raison. Hop, comme ça, j'ai dégagé tout ce qu'il y avait là. Et sinon, j'ai travaillé sur le projet secret Youplaboom dont je vous parlerai sûrement plus tard, mais c'est encore top secret. Je serai obligé de tous vous éliminer si je vous donnais des détails. Donc, euh, on en reparlera mais euh, c ça implique du fun donc forcément on en reparlera ici euh... ouais non vraiment dans le dernier truc que j'ai reçu à part recevoir des nouvelles euh... des nouvelles cartes picot pour pouvoir en envoyer une à pierre je t'ai pas oublié pierre donc voilà Alors il y a New qui me cherche une deuxième fois sur les JDLL, <laughs> c'est bien ça. Et donc c'est comme moi quand il y a un FOSSDEM à 30 km de chez moi et que j'y vais pas du week-end, c'est du joli. Alors il y a deux raisons à ça. Non seulement j'étais occupé, mais en plus euh, je suis pas ultra fan des JDLL. Je j'accroche pas euh, pas à mort sur les thématiques présentées, pas forcément. Je sais, j'ai peut-être tort, mais euh, ouais, je sais pas. Je ne sais pas, j'y suis allé quelques années, c'était pas tout à fait ma cam, donc je ne sais pas. Je ne doute pas de l'intérêt et de l'importance d'un week-end sur le logiciel libre, mais je n'avais pas accroché quand j'y étais allé, donc je m'y précipite pas. Non, 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 je ne pense pas que ce soit des intégristes du libre, je ne je crois pas, j'ai pas l'impression. Non, je ne pense pas, il ne me semble pas. Non, j'ai vu qu'il y avait. Euh... Ah, ben si, j'ai vu passer un tweet, ben j'aurais mieux fait d'y aller aussi. Ouais. Le pauvre David Pilato qui était passé euh, qui avait accepté de passer faire une conf, qui est de vacances ou je sais pas quoi, il est passé faire une conf, et je crois que sa salle était prévue pour 20, 25 personnes, et il y a eu deux personnes. Donc... Mais bon, il paraît que les échanges étaient de qualité, ce dont je ne doute pas. Donc non, c'est juste je pense que c'est un espèce d'a priori qui s'est installé dans ma tête, et je, je devrais y aller une bonne fois pour toutes, mais vraiment ce week-end, ça risquait pas d'être possible. C'est comme ça. That's life. Je pourrais papoter dans le vide des heures, évidemment, vous me connaissez, mais je pense que je vais je vais rendre l'antenne, comme on dit dans certains endroits, et puis euh, je publierai ça, même si c'est pas anthologique. On aura quand même fait un petit calme 117 avec quelques liens, euh, notamment j'ai commencé à regarder pour cette histoire de Mastodon, ça marche pas avec le site Naughty ST, parce que c'est du Markdown, et que j'ai pas trouvé euh, une compatibilité du Markdown pour faire un ancrage dans mon profil, mais... On verra ça, euh, si je trouve une solution, je vous en parlerai, je vais essayer de l'implémenter un peu partout. En attendant, ben je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.